c'est tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Ratchet & Clank Rift Apart, toujours évidemment sur PlayStation 5 étant donné que... Eh bien c'est une exclue PlayStation 5. N'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire, voilà, ça fait déjà très plaisir. Comme d'habitude, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble, mettez un casque ou des écouteurs, plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire et à manger. On devait... On se retrouvait d'ores et déjà devant la vendeuse et elle a un nouveau truc, un vacu répulseur. Il est temps de voir à quoi ça ressemble. Les boucliers, c'est plein. C'est comme ça, c'est un fait. Mais si un bouclier pouvait riposter, hein, ce serait pas mal, non? Je vous présente le vacu répulseur. Appuyez sur la gâchette de tir à moitié pour vous protéger. Et appuyez à fond pour une vaste explosion de bonheur à courte portée. Délicieusement cool. Ça a l'air pas mal du tout ce petit truc, on va pas l'acheter au cas où. Là vous allez me dire, B-Boy t'abuses un peu, il y a plein de trucs que t'achètes pas. Mais pas de panique, c'est évidemment normal, c'est au cas où j'en ai besoin tout simplement pour l'arène. Donc on a l'éradicateur qu'on a réussi à monter au maximum, c'est donc le fusil à pompe. Et là, enfin qu'on a réussi, non, qu'on a débloqué au niveau maximum. Là on va essayer de l'augmenter à fond, histoire que ça percute et histoire qu'on puisse réussir cette arène en mode difficile. Les tirs projettent les ennemis encore plus loin. On a des trucs très très lourds. Là par exemple, augmente la portée des tirs. Ça c'est de la petite pépitasse. Il nous le faut impérativement. Augmente la zone d'effet. Là le fusil à pompe, ça va swinguer. Vous êtes prêts? Le dernier, voilà, c'est parti. Amélioration parfaitement exécutée. C'est parti, le fusil à pompe est amélioré au maximum. Normalement. Il y a même un éclair qui part à droite. Je sais même pas qu'est-ce que ça représente, tellement c'est incroyable. Bon, ça c'est fait. Est-ce qu'on commencerait pas cet épisode avec une autre petite arène? Ça peut être très sympa. Je vais... Partir à l'aventure, je sais. Oh, comme c'est excitant. Je vous souhaite bon voyage et bonne chance à tous les deux sur la station Kedaro. Comment il savait? Je me pose sans arrêt cette question. Ok. On est parti. Direction... On rivette tout simplement parce qu'on va réessayer l'arène que je vous ai dit maintenant que notre fusil à pompe est à son maximum. Évidemment, on va retourner sur cette planète et on reviendra ici, vous inquiétez pas. Il me reste des lorbes à sauver et ça va pouvoir nous régaler. J'en ai bien l'impression. On est donc reparti avec Rivette sur la planète où il y a l'arène. On va essayer de s'en sortir. Je suis cette fois-ci en 60 FPS. Ça va changer, mine de rien, pas mal de choses. C'est vrai que le 30 FPS, c'est plus agréable pour les yeux. Vous profitez d'un RTX maximal. Mais 60 FPS, pour ma précision personnelle et ma liberté de mouvement, c'est aussi, on va pas se mytho, un petit peu mieux. Donc, on va voir ça tout de suite. Attendez, c'est peut-être que du baratin. Si ça se trouve, je vais me faire flinguer la gueule et ça risque d'être assez terrible. Mais ça mérite quand même qu'on essaye, sachant qu'en plus dans l'arène, il y a le mode normal. Parce que là, on est en mode facile de l'arène. On est en mode difficile du mode facile de l'arène. Et en mode... après, il y a le mode au-dessus du mode normal, évidemment. Et là, c'est assez terrible. On est parti. Bronze. Voilà. Et c'était battre l'équipe. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Éliminer 25 mercenaires en utilisant que l'exécuteur. Allez. Ok. Besoin de concentration à son maximum. Je suis en sueur. C'est terrible. On va aller là. Ils sont où? Oh les salauds. Ok, ça c'est fait. Ok, ça c'est fait, on est à 3. Oh là là, l'angoisse de ça. Ok, ça c'est fait. On est pas mal là. Je sais pas combien on est, mais on a l'air pas mal.
Ça c'est fait aussi. Ok, je me concentre parce que là, c'est les problèmes qui vont arriver là. N'oubliez pas. Ça c'est fait. On a combien là, bordel? Parfait ça. On a combien? 14 sur 25, il en reste beaucoup trop, il est mort. Ok. Ça c'est fait aussi. Waouh! Ah ouais, non, on est... Alors attendez. Oh non, ça va être dur, ça va être tendu. Non, 18 sur 25, c'est tellement dur! C'est tellement dur! On peut le refaire. On peut le refaire. Allez, let's go. Ok, à la fin, c'est un putain de bordel pas possible. Il faut vraiment que je prenne aucun tir là-dessus. Mais je trouve que c'est un beau challenge YouTube parce que si on arrive, bordel, c'est beau. Ok, ça c'est fait. Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ok, c'est fait. Ça c'est fait. Et ça c'est fait. Très bien. J'ai peut-être une petite idée. J'ai peut-être ma petite idée. Toujours revenir au milieu. Toujours revenir au milieu quand on a fait les kills. Ça peut être pas mal du tout. Ok, c'est pas mal. On va peut-être profiter. Non, de cette chance. Ok, toujours revenir au milieu. Ok, ça c'est fait. Dur, 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 dur. Dur, dur, dur. Oh non. Oh non, l'angoisse. L'angoisse. Ok. Non. Non, 22 sur 25. C'est dur. C'est dur le chat. Je sais pas si vous vous en rendez compte. C'est très très dur. Putain, j'ai manqué de munitions. Les amis, je vous le dis, un jour je serai le meilleur dresseur. Et on va garder le meilleur essai, vous inquiétez pas. Je vais y arriver, j'ai promis à mes parents que j'y arriverai. Allez, on est parti. C'est pas vrai. C'est pas vrai ça, hein. Ok. Ah, bon, le son est fini. Cool, a l'air d'apprécier. Ok. On reste focus. Ok. Ok. Let's go. Woohoo. Let's go. On l'a fait. On l'a fait, mon pote. Ah, c'était tendu. Let's go. Oh la vache. C'était pas facile, hein. Je vous le dis, tout ça pour 2000 boulons de mort, là. C'était pas facile. Et le dernier, c'est Bats, le Grangor Skeletic. Let's go.
On va réussir la coupe bronze de cette arène. C'est un très bon début d'épisode 9. Et on va pouvoir aller visiter la nouvelle planète. Et ça, c'est incroyable. Ok, il est où le bordel? Ok, j'ai ma réponse. C'est un squelette de toute évidence. Très bien. Ok, déjà deux attaques. Donc on commence à connaître son pattern. Très bon ça. Très bon ça. Oh bien joué. Bien joué à lui. Je mets tes points prêts. Oh la vache, c'est chaud le chat. Ok. On va prendre faire les ricochets. Ça va augmenter mon arme. Allez, let's go. Ça lui fait gagner de l'XP. Très très bon. En plus, c'est une arme, il n'y a pas besoin de recharger. Putain, c'était plus difficile avec le fusil à pompe que cette connerie-là. Ok, ok, bon. Eh, on est pas mal, tiens, ça. Ça. Voilà, let's go. C'était plus facile, mais au moins, on allait battre. Et ça, c'est bon. Eh bien les amis, je ne suis pas peu fier d'avoir fini la coupe bronze. On peut partir en héros comme des guerriers. Félicitations à nous évidemment, ça c'est une bonne chose. De fait, direction la toute nouvelle planète qu'on doit faire avec Rivette. Et on reviendra sur l'autre planète avec Ratchet. J'ai peut-être un peu sous-évalué la difficulté de fabriquer un dimensionnateur. Un petit peu. Ouais, enfin, on savait tous que ce serait pas une mince affaire. Certes, mais le quartz phasique est un des matériaux les plus rares et précieux de tout l'univers. Je vois. Allez, on est parti, donc direction... On a déjà eu cette conversation, évidemment. Direction la nouvelle planète avec Rivette. C'était tellement dur au pont. J'espère que ça sera la dernière épreuve au pont, parce que réellement, c'était hardcore, les potes. On a Cordélion qui s'est ouvert pour Ratchet, et on a Blizzard 1 pour Rivette. Direction Blizzard 1, évidemment. Sur Sargasso, tu disais avoir donné le dimensionnateur à Ratchet pour qu'il puisse trouver les autres Lombax. J'aurais jamais cru en rencontrer un autre. Encore moins retourner chez moi, si on peut dire les choses comme ça. Tu crois vraiment que c'est possible? Non! Non? Non! Je n'en suis pas très sûr. Ok. Bon. Direction la nouvelle planète. C'est magnifique. Par contre, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qu'on a là? Quelle sensation. Le blison semble avoir absorbé l'énergie des failles dimensionnelles. Wow. Une autre dimension. C'est la tienne, tu crois? Non. Mais nous y trouverons du quartz phasique intact. Partons à la recherche des mineurs. Ah ouais, c'est incroyable. Les gars, là, on se rend pas compte de ce qu'on vient de voir. Le décor s'est instantanément installé à la place de l'ancien. Vous vous rendez pas compte, mais pour une console, c'est monumental. Ok, ça c'est fait. Les petits crabes, ça dégage. Ça, c'est vite fait, c'est vite fait. Ça me fait pas peur. Des petits crabes, c'est pas... Voilà. Les crabes, je les graille, moi, les refs. Peut-être causé par l'effondrement des frontières entre les dimensions. Donc, c'est mauvais signe. Eh bien, on a la vendeuse, tiens, si on fait ça. Il faut qu'on passe de l'autre côté de cette fenêtre pour actionner le déverrouillage. Encore un truc dimensionnel? Oui, la situation est de plus en plus instable. Cela explique pourquoi la mine est désertée. Mon âme!
Vas-y, prends-la. Pour info, je viens de découvrir qu'il y a une autre dimension où Blizzard est encore intact, alors... Encore intact? Mais comment? Mais oui, le Blizzon. Si la planète n'a pas encore été détruite. Qui c'était? Est-ce que tu sais de quoi elle parlait? C'est certainement une survivante de ce qui s'est passé ici. Bon, il nous faut un autre cristal de Blizzon. Ah mais y a un problème les potes. Bah à cause de mon move un peu trop anticipé. Ah non c'est terrible. À cause de mon move un peu trop anticipé, j'ai plus accès à la vendeuse. Et ça, je vais pas vous mytho que ça m'embête un peu. Putain, ils sont partout, c'est terrible. Ok, on va s'en occuper vite fait. Nous devons trouver un moyen de passer et de retourner dans la dimension intacte. Ok, 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 ok. Donc forcément, l'apesanteur est différente ici. Nous sommes en apesanteur, tout simplement. Ok. C'est pas vrai. Oh, imaginez 5 secondes les survival horreurs qui peuvent faire avec une qualité graphique qu'on a atteint sur les next-gen. Ça peut être phénoménal avec les jeux de lumière et tout. Où est ma vendeuse? Ah, c'est terrible. Elle est là? C'est ma vendeuse? Qu'est-ce qu'on a là? Tiens, tiens, tiens. Essayons de désactiver le verrouillage. Ok. Ah, oh, elle est là, la vendeuse! Je veux y aller! Attendez. Oh non, non, non. Ça, je prends par contre, mon pote. Hein. 3 raritarium. Oh là là, c'est trop stylé par contre. C'est tellement, tellement rempli de style. Oh là là! Qu'est-ce qu'on peut faire à améliorer là? On peut faire ça, tiens. Voilà, ça dégage. Pas le temps pour ces conneries, on va améliorer ma frappe éclair! Évidemment. Et après, mon arme ricochet qui m'a sauvé la vie plus d'une fois. Qu'est-ce qu'on a là? Là, ça c'est pour dire qu'on ne peut pas y aller. Une secousse sismique a détruit le pont. Je suppose qu'on va devoir faire le tour. Ok, c'est pas grave. C'est nouveau, ça vient de sortir. Il y aura quelques planètes à refaire. Bah, en fait, toutes les planètes, on a oublié des choses partout. Donc ça, c'est assez terrible. Qu'est-ce que c'est que ce truc là, bidon ? Ah oui ! N'essaie pas de nous crotter les chevilles ! Autant dire jamais. Regardez-moi ça, hein. Une petite chaîne sans fin d'électricité, c'est pour moi, c'est bébé qui régale. Hein. Voilà ! J'ai dit que c'était bébé qui régale. Encore ? Putain, ça ne s'arrêtera jamais ici. Attends, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs à récupérer. Très bon, ça. Très, très bon. Et niveau boulon, on est... Les gars, le fisc va me tomber dessus, hein, je vous le dis. Hein. On va avoir des problèmes. Hein. On va avoir des problèmes au niveau des boulons. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Rien. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a là? Let's go! Hey, on est où là? On s'en fiche! Chopez la Lombax! Ok, ils ont changé de dimension eux aussi, ils étaient dans celle qu'on était. On va essayer de les finir très rapidement. Très bon ça. Oh waouh, c'est quoi ça? Ok. Très bon ça. En fait, quand vous achetez le jeu, si vous achetez le jeu, mettez en mode difficile parce que j'avoue que ça équivaut à un mode normal, c'est bien dosé, assez compliqué, mais c'est quand même bien foutu. Vous allez avoir du challenge et vous allez évidemment vous régaler, pouvoir apprécier d'autant plus le jeu. Donc n'hésitez pas, merci le chat, c'est grâce à vous, vous avez communiqué les meilleurs conseils.
de passer en mode un peu plus difficile. Clairement, il y a plus de challenge et c'est pas si facile, hein. Regardez le nombre d'arènes qu'on a recommencé et le nombre de fois où je suis mort. Donc c'est très 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 bien. Beau move de votre part. Okay. Ah, d'accord. Merci du coup de main, Boulon. J'ai pas vraiment l'habitude. Nous devons trouver un moyen d'extraire le quartz basique. La foreuse géante, peut-être ? Trouvons quelqu'un qui nous aidera à y accéder. Allez, on est parti ! Yo les gars, ça va ou quoi ? Ah, c'était la planète de la personne qu'on a vue avant qu'elle soit détruite. Oh non, c'est terrible, elle a perdu sûrement toute sa famille dans d'atroces souffrances. Et ça, il faut faire quelque chose, on en a marre. On en a marre. Dénonçons ! Yo, ça va ou quoi ? Ah, voici le centre d'exploitation. Quelqu'un ici pourrait nous orienter vers la foreuse ? Le poste de contrôle de l'ingénieur en chef devrait être tout près. Je parie que t'es incollable sur les mines. En effet. Par exemple, sache qu'un mineur passe en moyenne 72% de sa vie sous terre. Oh, c'est vrai ? Non, mais je voulais satisfaire ta soif d'anecdotes. Allez hop, bien envoyé mon petit Ratchet, on se laisse pas faire ici. Séisme, verrouillage, faille interdimensionnelle, je peux les comprendre, mais on a besoin d'une foreuse. Laissons-nous ! Ce qui est arrivé sur Blizzard dans ma dimension pourrait se produire ici. Ah ouais. Ok. Bon bah on va déjà visiter dans cette temporalité. Oh là là, c'est tellement stylé. C'est tellement stylé. On va visiter. Bonsoir, ça va ou quoi? J'ai limite envie de, tu sais, les prévenir, tu vois, leur dire bon, vous allez en prendre plein la gueule. Ça vous embêterait pas de chercher le chef Tullio? Ça fait à peu près une heure qu'elle aurait dû revenir avec les ingrédients. Elle est peut-être blessée. Pas de problème, j'ouvrirai l'œil. Ok, on va chercher un chef cuisinier, bah alors, hé, ça se cuisine quoi ici, là, dites voir. Je crois que je capte un message radio. Vous, là, avec la fourrure et les oreilles, dites-moi donc, que diriez-vous de participer à la création du nouveau plat des cycles? Ne répondez pas, c'était une question purement rhétorique. Contentez-vous de grimper à la crête de cristal qu'on puisse commencer. Le chef Tullio, je présume? Elle n'a pas l'air blessée. Je me demande ce qui l'empêche de rejoindre les mines. C'est bien ça. J'essaye d'améliorer le plus possible mes armes. On n'a rien là-haut. Par contre, on a une faille ici, donc on va la faire. Minute. Comment font ces cani-robots pour flotter? Générateur de champ d'invisibilité autocam. La classe. Oh non, ils me l'ont pas... Oh, ils me l'ont pas donné, là, le raritarium. Attendez, parce que moi, dans mes souvenirs... Je suis mort. Oh, je suis un monstre. Ok. Non, mais attendez. Oh là là. Ok. D'accord. J'ai voulu faire le man en mode je tire comme ça chez Wellsol. Mes couilles. Mes couillasses. Ça va être dur. Ah, ok, d'accord. Ah ouais. Ok. D'accord. Quelle angoisse. Ça va. Ça va que c'est pas plus long. Par contre, bien pensé comme d'habitude. GG, let's go. Encore une nouvelle. Un nouvel morceau d'armure. Le plastron, évidemment. Une nouvelle tenue. Mais pas complète, malheureusement. On a quoi par ici, ok. Et par ici, c'est la descente, évidemment. Et ben voilà, ça c'est fait. Y'a rien de caché ici. Allez.
On peut s'en aller tranquillement. Ça c'est fait. On va aller checker là-haut. Je pense que c'est une quête secondaire. Ça c'est fait. Ok. Bah écoutez, moi là ce que je vous propose c'est des petits ricochets tout simplement. Et merde! Faut que je me focus là, je fais n'importe quoi. On va se concentrer un petit peu plus. Je prends beaucoup trop de dégâts un peu pour rien. Et ça, c'est terrible! Cela semble très douloureux. Pas l'impression de gagner beaucoup d'XP. Ah bah si, j'ai rien dit, c'est fait, le boulot est fait. Ok. Oh, ça me paraît gigantesque. Alors. Ça me paraît gigantesque ici et ça fait peur. Et on a peur ici, on a peur. Par contre, cette planète est incroyable, d'une beauté mais sans pareil. Ah ouais, ça va pas jusque là. Bon, bonne chose de faite. Excusez-moi du peu. Ça risque d'être terrible là, ce qui va se passer là. Je sais même pas où je vais. Je sais pas où je vais. Je sais pas trop où je suis. Il y a tellement beaucoup de choses. On a juste traversé la rue, si je ne m'abuse. Ouais, on est passé de là à là. Et on a quelque chose là-haut. Pour vous aider à monter. Alors. On a un boulon en or. Mais alors, pour aller là-bas, mon ref. Ah, d'accord. Je vois. Pas besoin de s'embêter, le chemin est tout préparé. Pas de soucis. Allez, un boulon en or, ça, c'est fait. Et ben voilà, on n'a rien d'autre ici. Tellement bien fait. Je suis désolé de vous le dire. À chaque épisode, je suis subjugué. Subjuguer, ce sont les mots, ce sont les termes. On va aller là. Cette connerie. Ça, on va aller là. La voilà, la cuisinière. Chef Tullio, et comme tous les grands artistes, j'ai besoin de souffrir pour créer mes chefs-d'œuvre. Ok. Pour préparer ma recette ultime, je dois récolter le miel syringien juste en dessous, avec 7 aspidomyl. Mais cela me demande une extrême concentration. J'ai donc besoin de quelqu'un pour me défendre contre ces réfractaires à l'art culinaire. Si vous souhaitez entrer dans l'histoire de la gastronomie, actionnez ce levier pour commencer la procédure d'extraction. Alors, quel est le menu ? À vrai dire, je n'ai pas souffert ces derniers temps, alors je ne sais pas trop. Mais ça ne va pas tarder, je peux le sentir. Et nous allons faire ça lors du prochain épisode. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.